Bonjour Dylan, après ce retour de Chambéry un peu périlleux, comment ça va? Ça va bien, un peu fatigué, mais ça va. Le voyage était long, mais ça va. Ça va, ça va. Le match aussi, j'imagine, il Ouais, était le un peu match long. aussi, ouais, bah, on a tenu 15 minutes en première mi-temps, et après on s'est totalement effondré, on a pris un 7-0 et on a essayé de revenir en deuxième mi-temps. On a des balles pour peut-être revenir à un ou deux buts, mais on les convertit pas, et forcément contre ce genre d'équipe, ça paye cash. En face, ton homologue Nicolas Partner a sorti la portasse. Ouais, il a été excellent comme à son habitude cette saison. Il a été encore une fois impérial, et bravo à lui, bravo à Chambé qui a fait une grosse partie en défense parce qu'on met que 22 buts, et voilà, c'est bravo à eux. Par contre, bravo à toi aussi. Le duel avec Benjamin Richard, Merci. il a tourné un peu plus en ta faveur là. Ouais, bon après j'ai joué qu'une mi-temps, mais bon. On se connaît bien tous les deux, on aime bien se titiller. Voilà, j'ai jeté la pièce en début du match, elle est retombée de mon côté, donc c'est plutôt cool. En parlant de titiller, justement, il y a Istres. C'est un de vos meilleurs adversaires, on va dire ça comme ça. C'est souvent des matchs bien engagés. Vous attendez justement à ce genre de match dimanche? Ouais, bah oui, on s'attend à ce genre de match, surtout vu leur position dans le championnat. Ils Ouais, sont eux, pas leur avenir n'est encore pas encore sûrs d'être définitif. maintenus. Ils jouent avec les crocs à chaque match et avec l'envie de se maintenir. Et voilà, on a toujours un supplément d'âme quand on est dans ce cas-là. On s'attend Ou la forcément boule au à. ventre, c'est Là, ça peut plutôt, quand on être voit leurs derniers résultats, on peut se dire ouais. que ils ont les crocs plutôt. Mais non, forcément, on s'attend à un match très engagé. À chaque fois qu'on joue Istres, c'est toujours une grosse bataille. On va essayer de profiter du dernier match à domicile de l'année pour essayer de bien finir cette saison et de battre Istres. Fernando, le staff en général, ils ont pointé du doigt cette volonté de marquer au moins encore 2 points d'ici à la fin de la saison, sachant qu'on joue le PSG à Paris en dernière journée. A priori, ça veut dire victoire obligatoire contre Istres alors. Ouais, bah on aurait bien aimé. Les derniers matchs, on a plutôt bien joué par période, mais on aurait bien aimé finir mieux la saison. Certains matchs qu'on a lâchés un petit peu trop tôt, ou qu'on a au final pas eu l'impression d'avoir joué, et que si on les avait joués, bah on aurait gagné. Mais oui, si on veut faire 2 points et bien finir la saison, comme je disais tout à l'heure, il faut battre Istres chez nous. C'est ce qu'il faut faire, et le dernier match contre le PSG, bon bah voilà, ça va être un dernier match de saison contre Paris qui sera peut-être invaincu encore d'ici là. Ce sera une belle fête et un beau match pour bien finir la saison. Après, peut-être qu'on pourra les titiller chez eux, mais bon, on verra. Istres, du coup, c'est le dernier match à domicile. Ce sera l'occasion aussi de dire au revoir à certains de tes coéquipiers. Il y en a deux notamment avec qui tu as joué pendant. Oh non, même trois. Les Les trois, tu as joué pendant trois, très longtemps avec eux. ouais. C'est un supplément d'émotion. Ouais. Bah après, on s'entend tous. On a forcément tissé des liens. Même avec Johan, on jouait en N1 Ouais. quand on était ensemble, quand il était un peu plus jeune et moi un peu plus jeune aussi. Donc, non, forcément, avec les trois qui partent, Boyba, Guinel et Johan, ça va être une émotion particulière. Je sais qu'ils n'ont pas envie de gâcher leur dernière ici, parce qu'on parle quand même d'enfants du club aussi un petit peu. Mais voilà, ouais, ce sera une belle émotion. J'espère qu'il y aura du monde et qu'on va pouvoir profiter tous Tous pleurer ensemble. ensemble. Tous pleurer ensemble, peut-être pas, mais ce sera pas sur le terrain, peut-être. De joie, de joie. Après Deux le jours, match. ok. La dernière question, la question Marie, baptisée comme ça maintenant. D'accord, ok. Le prono pour le match, avec score. Le prono pour Istres, bah une victoire chez nous déjà.
une victoire chez nous et après avec un score difficile 31-26 pour nous. Ok. Au moins une contre-attaque de Guinel ou pas? Au moins une contre-attaque de Guinel. Il nous doit ça au moins. Ouais. Merci. Merci à toi.